noisette et une cuillerée à soupe de sucre en semoule. À tous ces ingrédients s'ajouteront 1 kg de prunes, ketch, mirabelle, réglotte, à vous de choisir, 100 g de sucre en poudre, 2 œufs, 100 g de crème fraîche et une cuillerée à soupe de semoule fine. Alors, premier pas, la pâte. Mélangez la farine, le sel et le sucre dans un bol. Ajoutez le beurre découpé en morceaux, puis l'incorporez à la farine en pétrissant rapidement et légèrement du bout des doigts. On doit obtenir une sorte de semoule grossière en 2 ou 3 minutes. Ajoutez l'eau progressivement en mélangeant jusqu'à former une boule souple sans être molle, en arrêtant dès que la pâte se met en boule et ne colle plus. La recouvrir de film alimentaire et laissez-la reposer une vingtaine de minutes dans le frigo. En attendant, je vous propose de nous occuper des prunes. Lavez, séchez, coupez les prunes en deux en les dénoyautant et égouttez-les dans une passoire, surtout si elles sont juteuses. Préchauffez le four à 180 degrés. Sortez la boule de pâte du frigo et commencez par étaler la pâte sur un plan de travail fariné, puis étalez-la dans un moule. Saupoudrez la pâte d'une centaine de grammes de semoule avant de placer dessus les demi-prunes pour contrepâte. Saupoudrez avec 50 g de sucre. Personnellement, je préfère du sucre roux et enfourner pour un petit quart d'heure. Pour un plus de goût, vous pouvez parsemer les demi-prunes de quelques noix concassées. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. En attendant que les fruits commencent à ramollir dans le four et que la pâte devienne dorée, préparons notre petit appareil que nous allons verser par-dessus les prunes. Pour cela, il faut battre les œufs entiers avec la crème fraîche et 50 g de sucre. Une fois le mélange obtenu, versez-le sur la tarte et remettez-la au four pour une vingtaine de minutes. Saupoudrez-la de sucre en poudre si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Sinon, laissez-la refroidir et dévissez-la car elle est délicieuse. Faites-moi confiance, vous n'allez pas le regretter.
Thank you.